Yo les potos, le bon coin, toujours le bon coin. Si si les frères, on est là, on va se retrouver encore un petit troll le bon coin. J'adore ça. Tiens, j'ai une autre petite musique en tête, tu me dis si tu reconnais. Tiens, voilà le bon coin. Voilà le bon coin. Voilà le bon coin. 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 T'as reconnu ou quoi frère? Allez, on envoie ça. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle pour l'annonce que je viens de voir sur le bon coin. Sur la caravane? Oui, sur une caravane. Le 17ème qui m'appelle. Ah oui? Oui. Ah oui, j'ai fait aujourd'hui, j'ai mis une annonce hier soir, c'est fou. Et, alors dites-moi tout. Donc du coup, la caravane est toujours disponible? Oui, j'ai du monde qui vient la voir cette semaine, mais ce que j'ai dit aux gens, c'est le premier qui vient qui a la caravane. D'accord, d'accord. Le premier qui vient qui prend la caravane. Ça c'est nickel. Donc j'aimerais voir. Je réserve pas parce que je l'avais réservé et la dame s'est pas déplacée. Donc c'est pour ça. D'accord, d'accord, d'accord. J'aimerais avoir quelques petits renseignements au sujet de la caravane, s'il vous plaît, mon petit monsieur. Allez-y, allez-y monsieur. Donc j'aimerais savoir, elle est roulante? Ah oui, bah oui, je m'en sers tout. Je m'en sers tous les ans pour aller sur la côte normande. D'accord, d'accord. Vous faites combien de kilomètres avec? Ah bah il y a 115 km. 115 km vous faites aller-retour? Oui. Ah oui, non, aller-retour ça fait 250 km. Non, ok, d'accord. Donc j'aimerais savoir au niveau des brouillards arrière, tout marche, les feux, les brouillards? Ah, tout fonctionne. Tout fonctionne? Tout fonctionne, j'ai la carte grise, non, elle est opérationnelle. Donc carte grise, tout est réglé, quoi? Ah oui, non, elle est en règle. Ok, d'accord, j'aimerais savoir à l'intérieur, est-ce qu'il y a un système gazinière, mon petit monsieur? Oui, un système gazinière, et il y a un poêle à gaz. Parfait, petit poêle à gaz qui marche correctement. Je m'en suis jamais servi. J'avais servi, petit monsieur? Comment ça se fait? Ah non, je m'en suis jamais servi parce que j'ai tout sur la côte normande, on n'en a pas besoin, donc je l'ai jamais mis en route. Ok, d'accord. Et donc, et niveau climatisation? Ah, il y en a pas, il n'y a pas de clim. Il n'y a pas de climatisation? Ah bah non, 1m85 la caravane. 1m85, ok, ah bah d'accord. Oui, parce que j'aimerais l'acheter pour mon ptio là en fait, parce que moi j'en ai déjà une, je possède déjà une caravane, et bah là c'est à mon ptio là, il veut s'en aller en caravane. Bon. Oui. Donc du coup tout est circulant, tous les pneus sont propres. Ah oui, les pneus sont corrects, elle est roulante, il y a une petite salle de bain. Ou une petite salle de bain. Il y a une chambre au fond fermée. Il y a un petit salon. Il y a un petit frigo ou pas pour les glaçons, mon petit monsieur, pour l'apéro? Oui, il y a un frigo, oui. Un frigo pour les glaçons pour l'apéro, c'est magnifique ça. Ah oui, pour l'apéro, oui. Oui. Et non, le frigo il marche super bien en plus. Et vous la vendez avec la casquette ou pas? Ah non, il n'y a pas de casquette. Il n'y a pas de casquette par contre? Non. Ok, d'accord. Au niveau du système d'attelage, tout fonctionne correctement? Tout marche correctement, oui. Oui, elle est plaquée derrière, elle a une plaque? Oui. Ok, ça c'est magnifique, mon petit monsieur, elle a l'air bien. Mais ça a l'air de toute beauté. Toute beauté, elle est 85, elle est pas neuve, mais elle est correcte. Ouais, elle a l'air correcte, hein. Quand je vois la photo sur mon téléphone, j'ai un ancien téléphone et je vois pas trop bien les photos, elle a l'air d'être correcte, mon petit monsieur. Oui. Au niveau du dortoir, ça va, les lits sont confortables? Oui, il y a un chambre au fond, comme je vous dis, puis je peux faire un lit au milieu. D'accord, d'accord. Donc vous m'avez dit le plus vite qui vient, il peut la prendre. Moi, je suis au queue, je suis preneur, 1500€, ça me va. Et est-ce que vous serez disponible, mon petit monsieur, demain matin vers 5h30, 6h du matin? 6h30 du matin? 5h30, 5h15. Ah, ça fait un peu tôt, moi je veux bien y être, mais 5h30, ça fait un peu tôt pour vous? Bah oui, parce que oui. Oui. Plus tard, non, c'est pas possible, non? Bah, parce que moi, en fait, faut savoir, c'est que je travaille la nuit, du coup, bah, je suis disponible, bah, 2-3 heures du matin à... Vous habitez où, exactement? Je suis de Rouen, mais j'ai une maison secondaire à Gaillon, à côté de vous. D'accord. Donc là, je réside à Rouen ce soir, mais je rentrerai vers Gaillon demain. D'accord. Et vous pouvez venir que demain matin? Oui, sinon, je suis disponible pour 3h30 du matin, si ça vous arrange. Ah non, 3h30, ça fait plus tôt, là. Ah oui, ça fait un petit peu trop tôt pour vous. Vous travaillez ce soir, c'est ça, donc vous êtes de nuit alors? Oui, je travaille toujours de nuit en fait. Et après le matin, j'essaie de dormir quand je rentre du travail. Parce que là, 5h30 du matin, on va pas voir grand chose demain matin. Ouais, pas voir grand chose, mais vous avez l'air d'être une personne correcte. Vous êtes une personne correcte, la famille? Oui. Ok, d'accord. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis une personne correcte, mon petit monsieur. Toujours, j'étais une personne très correcte.
Faut savoir que déjà j'ai travaillé à l'âge de 16 ans, j'en ai 42 mon petit monsieur. Donc j'ai toujours été correct, je suis dans la maçonnerie, toujours été correct dans ma vie, j'ai toujours fait que des trucs corrects. Moi je veux bien vous faire affaire avec vous, mais l'air d'une personne correcte, vous m'avez dit tout ce qu'il y avait. Je veux bien venir, je vous achète la caravane demain matin directement à l'aube. Je vous prends la caravane. Si je reviens chez moi et il y a un souci, par contre. Carabine ! D'accord. Ok mon petit monsieur ? D'accord. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Avec le campement, c'est, on a toujours fonctionné comme ça, moi et les gars du campement, que ce soit mon tio ou mon petit neveu ou mon petit cousin. Si je fais pas, je fais affaire avec des personnes correctes, cela me va. S'il n'y a pas de personne et que c'est pas correct ou qu'on a essayé de m'avoir derrière, carabine! C'est bien clair mon petit... Avec les autres, une carabine, ils sont choqués les mecs, tu m'étonnes. On a raccroché. C'est des mecs qui sont choqués pour carabine parce qu'en fait pendant 4 minutes j'arrive à bien les mettre, toi les mettre dans ma poche. On papote, je leur fais pas le Google dès le début, salut bonjour que vous avez une caravane, oui, carabine. Là ils raccrochent direct, j'arrive à papoter pendant 3, 4, 5 minutes avec eux. Et c'est à la fin, ça arrive comme ça, ils disent what, ça fait 5 minutes que je suis avec lui, il a l'air correct et d'un coup il pète un plomb comme ça. Il a... A chaque fois deux carabines ça calme les gens, putain. Calade de ses mains, je le sais. Le t-shirt. Oui, allô ? Oui, allô, bonjour ! Oui, bonjour ! Oui, bonjour ! Alors, comment ça que vous avez tapé le ptio cet après-midi, là ? Le quoi ? Comment ça que vous avez tapé le ptio cet après-midi ? J'ai le ptio qui vient de rentrer, là, jeans troué, un macaron sur la gueule, et là, le t-shirt taché, là. Vous êtes d'où, là ? Vous êtes, Je suis du côté... Je suis du côté de Rouen. Là je suis rentré parce que j'étais à Biorel cet après-midi et le ptio, mon ptio il est rentré cet après-midi, il était taché, il avait le jeans troué et un macaron sur le, coca, sur le coin de la figure et il m'a donné votre numéro, il m'a dit que c'était vous qui avez tapé le ptio, comment ça? Du tout là je vois pas, c'est pas possible, je suis pas dans Rouen donc je vois pas de... Enfin, qui vous êtes, donc je suis vraiment désolé, je comprends pas du tout, mais je suis pas du tout normal. Mon ptio, c'est le petit rouquin avec les taches de rousseur. Ça, c'est encore une connerie, c'est quoi ces conneries-là? Donc du coup, là, il est revenu cet après-midi, il m'a dit que vous l'avez tapé le ptio, j'aimerais savoir pourquoi vous tapez les ptios d'ailleurs. Vous avez quel âge, mon petit monsieur? Et vous êtes qui déjà, premièrement? Je vois même pas qui vous êtes. Premièrement, je suis Bernard, je suis le père à Erwin. Donc je suis Bernard, le père au ptio que vous avez tapé en l'occurrence. J'aimerais savoir votre âge maintenant, mon petit monsieur. Et vous savez où vous êtes, au moins ? Oui, je suis à Rouen, oui. Non, mais vous savez où vous êtes chez qui, là ? Aucune idée, j'ai le ptio qui m'a donné votre numéro, il m'a dit que c'était lui qui, c'est vous qui l'avez tapé. Ouais, bah si vous le dites, ok, mais c'est pas du tout ça, vous savez même pas, moi je suis pas de par ici, moi. Ah oui, vous êtes d'où ? Vous êtes de Normandie ? Non, du tout. Bon. Moi je suis pas de par ici, moi je suis d'Alsace. Excusez-moi, attendez. Jérémy ! Jérémy, viens régler l'histoire là. Jérémy, tu viens par là. Excusez-moi mon ptio, je vais aller régler ça et je vous rappelle mon petit monsieur, mais je pense qu'il m'a fait une petite blague. Ok, bah pas de soucis, bah je suis vraiment désolé pour vous. Hein. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et Armin ou Jérémy, putain merde, ouais, faut que j'arrête. Mon ptio il s'appelle Jérémy. Et moi je m'appelle comment ?